KXTC Podcast. Le samedi 26 et le dimanche 27 février 2022, de 10h à 18h, salle Blondelet à Boulouris, commune de Saint-Raphaël, dans le Var, aura lieu le salon du chocolat et des gourmandises. Nous avons demandé à Claude Vachet, enseignant, des précisions complémentaires sur cette manifestation. C'est donc le salon, la 7e édition du salon du chocolat et des gourmandises qui se déroule sur le week-end. La première a eu lieu en 2014. C'est un salon qui commence à trouver ses marques, les habitués, qui viennent essentiellement pour se faire plaisir, pour le partage, pour la gourmandise. On va retrouver comme exposants des exposants locaux, la chocolaterie Calderon, avec la maison Cochet, une chocolaterie qui est ancestrale sur Saint-Raphaël, qui sont vraiment connues. C'est la chocolaterie du Rocher sur Roquebrune. Philippe Vinet, qui est également extrêmement connu. On a une nouvelle venue, Corinne Perrin, qui représente la maison Puricard d'Aix-en-Provence. Elle s'est installée il y a quelques mois sur Saint-Raphaël. Ensuite, on va aller vers des exposants qui viennent des départements, puis d'autres départements, des chocolatiers qui viennent de Brignoles, avec les délices de Provence. Mais on a aussi des produits pour lesquels vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous allez pouvoir goûter des macarons avec la maison Navarro sur Sainte-Maxime. C'est une maison également connue. Ils font quasiment tous les salons que l'on peut trouver en France. Vous allez pouvoir goûter tout ce qui est pâte de fruits avec Christophe Gougagnan qui vient du côté d'Aix. Vous allez pouvoir également vous faire plaisir avec les confitures du Vaucluse sur les Alpes-Maritimes. Vous allez goûter des produits qui sont tout à fait novateurs, comme la liqueur de Morito, tout à fait particulier, c'est goûteux, un plaisir pour les papilles. Vous goûterez quelque chose d'original, le Côte d'Azur, c'est un gâteau qui a été breveté, Pascal Rolfaux, qui se retrouve à côté de Nice. C'est lui qui a créé ce gâteau, c'est vraiment une création originale. Beaucoup plus loin, une entreprise qui s'appelle Sainté, qui vient de Saint-Étienne, et vous font goûter tout ce qui est produit à base de thé. On a également un peu de sucré salé, un artisan qui s'appelle Truffazur. C'est vraiment un salon où on se fait plaisir, c'est un salon gourmand, de partage. C'est un projet pédagogique. Moi, je suis enseignant au lycée Saint-Exupéry à Saint-Raphaël. C'est un projet qu'on mène avec des élèves de section vente ou accueil. Ça leur permet de mettre le pied à l'étrier, de connaître un peu comment on peut organiser ce type de salon avec vraiment une approche extrêmement précise, rigoureuse et professionnelle. Nous ne sommes pas seuls sur ce type de manifestation. La mairie de Saint-Raphaël, à travers son maire, Frédéric Masquelier, nous suit depuis le début. Alors il nous aide en nous prêtant la salle Blondelet à Boulouris, il nous la met à disposition à titre gracieux. C'est quand même un point important. On a aussi le service communication avec Elodie Clémentino qui nous a réalisé toute la campagne de communication, les affiches, les flyers. Ils mettent également à disposition les panneaux lumineux sur Saint-Raphaël. Donc c'est vraiment un outil qui nous donne une visibilité sur l'ensemble de la commune et les communes avoisinantes. Je n'oublierai pas Jean-François de Bézieux, le maire de Boulouris, qui nous suit également depuis plusieurs années. Ce que je peux vous dire, c'est venez vous faire plaisir. L'entrée est de 2 euros. Le prix des stands doit permettre de financer tout ou partie d'un séjour scolaire que l'on espère faire avec les élèves en 2023. On a déjà réalisé 6. On part une semaine à Londres. Tous les frais sont payés pour les élèves. Ils n'ont rien à débourser, que ce soit le transport avec l'avion, la nourriture, l'hébergement. Tout est payé à travers les projets que l'on peut mener parce qu'il y a d'autres projets. On réalise également des vides-greniers. Donc c'est vraiment des projets pédagogiques divers et variés. Venez vous faire plaisir. N'hésitez pas. Vous trouverez forcément votre bonheur sur ce salon. KXTC Podcast. Yeah.